Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus haut. Ouais, toujours plus loin, toujours plus haut. C'est 19h. Non, c'est pas 19h. Puis de toute façon, on s'en fout de l'heure que c'est le nouveau The Big Game of Ski du jour. Et vous allez venir avec moi pour vous faire un petit shmup. Oui, il y en a qui traînent des pieds, mais c'est comme ça, vous allez venir. Aujourd'hui, on va retourner dans du bon vieux classique. Et quand je dis du bon vieux classique, c'est pas pour rien, c'est parce que. On va retourner dans 1941, mais remixé de chez Remixé. C'est-à-dire la version qui est sortie, si je ne m'abuse pas, en 1996, qui, après différents volumes, il y a eu 1941, 1942, 1942 bis, 1943, 1944. Je crois qu'il y a même une version altérée de 1944. Et nous voilà donc pour ce 19XX qui est supposé porter au firmament, maman, le titre. Et le faire rentrer dans la légende pour l'éternité. Est-ce que ça va être vraiment le cas? La réponse tout de suite après ce spot d'information adoption de bébé koala. Oui, c'est comme ça, The Big Game of Ski maintenant, il y a des spots d'info. Alors, je n'ai pas la capture, comme bien entendu, puisque ça faisait très très longtemps que j'avais pas eu un fail de démarrage. Hop, petit check. Oui, c'est du vrai live, la vraie prise qui fait mal. Quand ça merdouille pour de bon. Vous savez ce qui va se passer, je vais sortir du jeu et je vais y revenir comme d'un seul homme, toujours pas d'image, c'est le dernier mot, c'est dommage, cette musique elle faisait envie. Tant pis pour nous. Plitch, plouch, reparti. Oui, je suis obligé de meubler à chaque fois, c'est supra pénible parce que j'ai pas de choses super intéressantes à dire. Ceci dit, c'est pas très long, alors relancer c'est le gros avantage. Toujours pas de capture? Double fail, ça va être chiant. Non, c'est bon. 19XXXXXXXXX. Nous voilà là 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 là. Le suspense est à son paroxysme en attendant la démo. Et c'est important sur un chemin, toujours regarder la démo. Ça donne quelques petites infos sur ce qui va nous arriver sur la tronche. Alors je rappelle que la série des 1941, c'est un avion qui peut faire un looping pour esquiver ou balancer un méga tir, qui ne manquera pas de récupérer des bonus comme il se doit, et qui peut avoir deux petits équipiers en général pour lui filer un coup de main et bien balayer large l'écran. Puisque avec l'évolution, on est sorti d'un shmup qui était quand même assez à l'étroit dans son vertical, pour commencer à remplir un vrai écran 4 tiers, et là on voit qu'ils ont re-adopté le format tight entre guillemets. C'est-à-dire ces formats écran pivotés à 90 degrés. Alors ça a l'air très joli. Mais est-ce que ça vaut le coup de faire cette guerre pour la destinée? Je pose la question. Alors, petite différence de démarrage, déjà on choisit son engin. Il va être très bien celui-là. Par contre, chose qui ne change pas, on a une mission où on doit dézinguer le gros boss de fin de niveau à chaque stage. Et il n'est pas dit que vous le dézinguiez à chaque fois. Le truc peut se barrer, vous avez un certain temps pour le défoncer. Alors les graphismes font très cartoon pour cette version, on aime ou on n'aime pas, c'est une question de goût. Toujours mon petit tir chargé, si je veux. Et je me suis fait niquer un bonus, mon beauté. Alors, les patterns sont renouvelés pour le démarrage, c'est assez rigolo. Enfin, ils sont croisés, on va dire. Ils n'ont pas bougé d'un état. Mais. Au lieu de vous faire démarrer avec 2-3 trucs qui se mangent la fesse, là, on met la totale dès le démarrage. Pour faire. Tu veux apprendre? Tu veux vraiment apprendre? Bouge pas, coco. Ça va être ma fête. Ça se désosse comme un homard, le premier boss. Oui, c'est très à la mode le homard au moment où j'enregistre ce stream. Ne rigolez pas.
Pourquoi pas. Et voilà un beau bombardier qui va aller nourrir les poissons. Ranman ennemi. Enfin, c'était pas écrit Ranman ennemi. J'ai pas mis mes lunettes. Hein. Je joue au son comme d'habitude. Alors, la petite subtilité des bonus que qu'on peut choisir de laisser tourner pour choisir la version qu'on va adopter. Tir concentré, tir bien large. Hop, papa, il est énervé lui. J'étais un petit peu en face quand même. On va dire qu'on le laisse passer parce qu'on est un gentleman. J'avais surtout pas le choix en fait. Alors le petit passage avec les grues bien vicieux, parce que les grues sont des obstacles et qui font obstacle et à vos tirs et à votre zingue. Et il y a vraiment moyen de se prendre un sale truc dans la tronche. À un moment pas très choisi comme ici. Est-ce que c'est la grosse euphorie pour ce 19XX? Pas tant que ça. Hein. Parce qu'il n'y a plus d'effet waouh. Le jeu n'est plus une surprise. Il s'amuse allègrement à mélanger ses recettes classiques. C'est-à-dire, coucou, tu veux voir mes patterns. Hop, 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 hop. C'est check. Celui-là, je l'ai bien cherché, faut dire. Oui, c'est un mot qui est un petit peu ripé sur le pad. Ah bah, j'apprends qu'on a un toit, 29. Hein. Vous croyez quoi, les gars? Ça va bien se passer. J'arrive à me mettre sous une boulette isolée, c'est dramatique. On va dire que c'est un stream du dimanche, c'est pour ça. Pourtant j'ai pas fait un seul mot de hein. Un jeu de mots. Un seul. Pas du tout. Je tiens. Donc 19XX, est-ce que tu es dans les sélectionnés? Plutôt oui, mais vraiment dans la couche du bas, on va dire quand même. Parce que même tes prédécesseurs étaient plus excitants. Alors, le seul vrai gros intérêt du jeu par rapport aux autres versions qu'on a pu croiser, on va dire, c'est son ranking, puisque le jeu va vous donner envie de scorer dedans. Une fois que vous l'aurez terminé avec un seul crédit, vous allez vous dire, il y a moyen de pousser plus loin le bouchon, Maurice. Qui est ce Maurice dont je parle si souvent? Vous aurez la surprise très bientôt, la révélation. Il faudra être très patient en attendant. Le seul truc vraiment sympa, c'est que vu que du coup le jeu est en tate, comme on dit, c'est ce mode vertical vraiment allongé particulier qui
correspond à un écran qu'on a retourné à 90 degrés, tout simplement. Bah, du coup, c'est qu'on a des parties latérales qu'on ne voit pas, et on peut se balader comme ça de droite à gauche pour essayer de trouver des bonus qui sont un petit peu moins accessibles que la moyenne. Histoire de faire un beau carnage, de tout planquer dans les maisons, dans le décor, ça. D'accord. Donc il y a pas mal de choses. Les gens qui ont rodé le titre connaissent toutes ces petites feintes, ces petites astuces, ces moyens de booster le score comme l'harmonie. Lui, il va me faire la fête de sang. J'avais dit qu'il allait me faire la fête. Oh, pas bordel. Elle était millimétrée cette bombe. Oh là 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 là, mais il a envoyé toute la famille là. Quelle tristesse, se cracher dans une chute d'eau. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que juste avant, j'ai enregistré le stream de 1944, il me semble, qui est sorti après. Et oui, faut pas... Alors, les licences à reboot comme ça, c'est compliqué à suivre. Il y a les 1941, 1942, 1943, 1944, 9XXX, 1945... Et l'ordre des dates, bah, c'est pas l'ordre des sorties en fait. J'ai dit un truc intelligent, du coup j'étais plus focus. Et c'est assez compliqué à remettre les choses dans l'ordre. Donc celui que j'ai testé juste avant, c'était pas son prédécesseur justement. C'était la suite, mais qui était vachement mieux. Enfin, graphiquement en tout cas. Et sinon mon prédécesseur, le 1943, je suis désolé, j'en demanderai jamais, c'est le meilleur de tous du monde, de l'univers, de tout ce que vous voulez quoi. Ce jeu, il était excitant, il était prenant, il était incroyable d'innovation. Il y avait plein d'idées. Les couloirs par exemple comme ça, ils étaient réellement matérialisés, on les tapait et on pouvait rebondir dessus. Et ça c'était une trouvaille pour le gameplay. Un petit côté rafraîchissant dans le shmup où les coups ne fait pas que en baver à esquiver. On peut aussi se servir de l'astuce justement de rebondir sur les parois pour diriger le tir dans tous les sens. Comment ça je l'ai déjà dit? C'est en répétant que les gens se rappellent. C'est en répétant que les gens se rappellent. C'est en quoi? Là je vais avoir un nouveau pote pour la vie, un ami comme on l'aime. Un gars qui vous veut du bien, un gars sympa, avec ses petites tours qui tournent et qui bougent et qui... Switch. Un moment ça suffit les gars, dégagez-moi ces tourelles là, elles vont me faire... Elles vont faire quoi? Elles vont faire du mal. Au moins, neutraliser leur petit canon, parce que là les crédits vont commencer à défiler à une vitesse très déraisonnable. Un peu la panique. Hein. Alors les boss quand même, c'est toujours une sacrée partie sur ces jeux-là, c'est assez génial. Parce qu'ils vous font des bonnes petites misères. Et la première fois que vous avez arrivé dessus, en ignorant totalement les patterns, vous allez vous demander un petit peu ce qui va vous arriver. Oui, bah je referai pas ça. Non, c'est hors de question. Même en ayant envie, hop, tu vois. Ah, j'ai pas le temps de me gratter le nez. Infirmière, grattage de nez. C'est urgent. Un plus bas. Ah, voilà. Oh, putain. C'est bon, je maîtrise. Bon, ça suffit. Il y a un moment pour rigoler. Il y a un moment, c'est plus drôle. Et là, on va lui dire clairement qu'il est pas drôle, quoi. Monsieur, c'est 2 heures que je te tire dessus là. Voudrais-tu bien avoir la bien séance de crever, comme on dit couramment en gage technique. Oh, le petit pattern, oh, bien vicieux. C'est juste pour me dire au revoir quand il explose, c'est magnifique. Alors, remis en 96, oui, on avait de la grosse explosion, c'est digne de l'étoile noire de Lucas, et moi je vous le dis les gars. Eh ben non, Carbert, tu m'auras coûté quelques crédits, mais...
Alors, ce qu'on va faire, bah, comme d'habitude, je vais me laisser aller jusqu'à la fin de mes trois villes. Et bien entendu, vous découvrirez le reste par vous-même. 1940XX, je sélectionnais, je le répète, oui, top. Faut voir. Il vieillit très bien, mais graphiquement, il n'est pas si glam que ça. Et niveau gameplay, il est... Il se mouille pas, il use du classique. Et... Même s'il va vous falloir slalomer méchamment pour arriver à passer le niveau. Ça en demeure pas moins un titre un peu trop classique, on va dire. Et j'ai pas mes équipiers là. Ça me manque. Arriver. Ne tirez pas par derrière. J'ai pas mis mon t-shirt, mais ne tirez pas par derrière, s'il vous plaît. Non. Non, 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 voilà. Bon, j'ai fait pour me mettre dessous. Ça va être une grosse envie. Oh. 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 Bon, le fair play pour un mec qui est dans un avion à hélice contre des mecs dans des jets, je trouve pas qu'il y ait trop de fair play là. Ah, je l'ai pris celui-là. Vous voulez connaître la suite? Est-ce que les Russes gagneront? Eh ben les amis, il va falloir y jouer, moi je vous le dis. XX, The War Against Destiny, validé dans les classiques de chez classique, mais peut-être pas incontournable à ce point-là, hein, soyons raisonnables. Je vous laisse avec les playlists habituelles, la généraliste, celle des shmups et le bouton d'abonnement.